Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors, c'est pour une ouverture de colis. J'ai participé à un concours, c'est un tirage, je pense que ça doit être sponsorisé. J'ai participé à un concours sur la chaîne de Candibule. Je vous mettrai le lien dans les descriptifs. Donc j'ai gagné le troisième lot et il a été envoyé vendredi et je viens juste de le recevoir. Il est pas encore 8 heures. Il a été envoyé vendredi soir. Il est pas 9 h. Et quoi? Il est pas. Ah, c'est 9 h qu'il est. Oh ben il n'est pas encore 9 h, pas 8 heures. Il est 9 h moins 10 là. On va ouvrir ça ensemble, hein. Donc, il a été bien rafistolé, hein. Et en fait, cette chaîne, c'est on gagne des consoles, des consoles, pas des consoles, des consoles, des jeux, des cartes Pokémon, des jeux de société Mario. En console, il y a la Wii, il y a la Switch, il y a la Switch, il y a les PS3, je sais pas s'il y a 3 encore, peut-être 4, la 5, je sais plus. Et là, écoutez, je vous fais découvrir ce que j'ai gagné, c'est le troisième lot. Et oh, j'ai contente. Ah, c'est bien emballé, hein. Alors, j'ai peut-être un petit mot. Alors, bonjour Mamie Lolo, Créa, félicitations pour cette victoire à notre concours de Noël. Oui, en fait, il en fait tous les mois. Et là, c'est le concours de Noël que j'ai gagné. On espère que le lot te plaira et que tu en feras bon usage. Oui, hein, ça va être départagé avec mes enfants. Merci beaucoup pour le soutien que tu nous apportes à notre chaîne. Bonne chance à toi dans les futurs concours. Donc, je peux participer, continuer à participer à chaque concours qu'il y a. Sympa, le petit mot. Hop, voilà. Sympa, avec des petits smileys. Voilà. Alors, je vais faire des heureux, hein. Donc, j'ai gagné. Tout est bien emballé. Hein. C'est bien, au moins, il n'y a pas de casse. C'est sérieux. Donc, je vais demander l'autorisation avant si je peux parler de sa chaîne. Normalement, je pense que oui, il n'y a aucun souci. Hein. Donc, si vous voyez notre vidéo, c'est parce que ça a été accepté. Alors, dedans, on a une disquette de Game Boy Mario. Donc, ça fait un petit truc comme ça. Bon, les Game Boy, c'est ancien, mais bon, il y en a qui en ont encore. Je ne sais pas si ça se vend encore, j'en sais rien. Ensuite, il y a la petite. Oh, c'était pas celui-là normalement. Bon, c'est pas grave. Une petite poche, un petit pochon avec du gel, hein. C'est tout mignon. J'ai deux petites filles, mais je vais garder, non, parce que je peux pas faire plaisir à l'un et voilà. Alors, le petit bonhomme Pikachu. Pikachu. Ça, c'est. Il va aller tout droit à Louise. Ah, ils ont déjà sélectionné ce qu'ils voulaient, hein. Voilà, c'est plastique dur. C'est tout mignon. Voilà, ensuite on a. Je pense que ça vient du jeu, ça. Je vais sortir pour pas. Alors, tout a été bien casé. Je vais essayer. Ah, c'est un jeu. En fait, c'est le jeu Mario, ça. Je pense qu'il y a ça. Normalement, il devrait avoir. Oh, le pied, il est long. Bon, on regardera les règles, hein. C'est un petit jeu de société, hein, pour jouer en famille.
Ça, ça sera pour mon petit-fils. Ah, ça y est, oui, ils ont choisi. Hein, bon, il y a la règle du jeu dedans. Je regarderai tranquillement. Ouais, c'est marrant. Bon, je connais pas ce jeu, on découvrira. Hein. Mon petit-fils, fan de Mario, il va être heureux. Ensuite, on a Buzz l'éclair. Et tout articulé. C'est électrique. Bon, certainement, il y a peut-être des piles à mettre. Ouais, il y a des piles à mettre parce que il y a des boutons appuyés. Bon, on va voir ça avec les enfants. Pour ça, il faut peut-être pas le faire tout manuellement. Ouais. Alors, voilà. Alors, ouais, je pense qu'il y aurait des piles à mettre. Hein. Faut trouver le bouton en plus. Ouais, bon, on regardera ça. Donc il y a ça, il est pas mal, hein. Il y a une belle hauteur. Voilà. Ouais, ben, j'avais raison. Une grosse sucette. Alors, ben, d'après mes enfants, il y a des autres sucettes dedans. Je confirme. Ou alors, ça peut servir pour taper son mari quand il est pas sage. Et ensuite, on a des... Ça, c'est un Lego. Un Lego Star Wars. Ça, c'est mon fils qui me l'a réclamé. Il m'avait dit qu'il voulait être là pour l'ouverture. Bah, tant pis. On dit toujours les absents, toujours tort. Mon mari était pressé. Voilà. C'est mon fils de 35 ans qui le veut. C'est entre 8 et 14 ans. Oh, d'accord. Des Lego. En fait, il est déjà monté. Ah, il a perdu sa tête. Ils l'ont peut-être enlevé exprès pour pas... Ah, puis habillé, heureusement, encore. Voilà. Pas mal, il est beau. Voilà ce que j'ai gagné. Non. Ah oui, les pelles, il est là, oui. Ouais. Dans l'épée. Voilà. Tiens, t'as pas remis. Et ensuite, ben, il y a des jeux de cartes à collectionner. Alors, ce sont des. Ils appellent ça des decks. Decks de combo. Bon, moi, je m'y connais pas du tout. Elles iront à mon petit-fils et à sa sœur. Ils vont partager les cartes. Il y en a combien dedans? Il y a 60 cartes. C'est quoi? Ouais, c'est, il y en a 60 dedans. Alors on partage en trois si la petite-fille, elle en veut. Voilà. Et après, ben, on laisse place au... Il y a des DVD et puis il y a des jeux pour les PS. Alors je ne m'y connais pas du tout. Alors là, non, pas du tout. Alors, on a en Blu-ray, on a Red Hill. Celui-là. Ensuite, on a Bad Lieutenant avec Nicolas Cage. Ouais, les DVD sont dedans, hein, bien sûr. Voilà. Ensuite, on a un jeu de PS3. Le Final Fantasy. C'est une édition limitée. On a celui-là. Ensuite, on a un DVD Nintendo
Voilà ça. Ensuite, on a eu un jeu de PS4, Chevalier de Baphomet, la malédiction du serpent. Celui-là. Je ne connais pas leur valeur du tout. Hein. Et après, ben, PS2. Alors ça, c'est Kingdom et Art. Voilà, bah écoutez, il y a un tirage tous les mois. Si vous êtes intéressé, bah, allez voir. C'est pas mal. Je suis contente. Là, je vais demander l'autorisation si je peux filmer l'ouverture. Bon, bah, si vous le voyez, c'est parce que ça a été accepté. Hein. Je sais pas s'il faut leur faire de la pub ou pas. Mais bon. Je pense pas qu'il y aurait des soucis. Voilà, bah écoutez, ma première ouverture de ce lundi 10. Je pense avoir du courrier aujourd'hui, peut-être. On verra. Voilà, bah sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une belle semaine. Normalement, on a du beau temps. Temps sec. La pluie, bah, il est temps qu'il n'y en a plus, hein. Et puis, à bientôt. Bye. Bonjour. Alors, nous sommes mardi 11 janvier. Le temps passe vite. Hier, j'ai reçu une jolie carte. Oui, je dis jolie parce que je l'ai vue. Hein. Je n'avais pas eu le temps de faire ma vidéo avant. Une jolie carte par Eva Élise. Merci beaucoup. Alors, c'est une carte pour mon anniversaire. C'est vraiment gentil. Alors, je vous fais découvrir sa jolie carte. J'adore. Voilà, une carte ronde. Je ne connais pas ce... J'avais jamais fait en rond comme ça. Alors, elle a pris... elle a fait deux ronds. Elle a mis de la dentelle entre deux. Très jolie. Alors, elle a mis le sentiment birdé. On a des jolis coquelicots devant des petits tamponnages de barrière. Vraiment magnifique. J'adore. Elle a fait un joli fond. Un joli fond. Sûrement avec du brouchot. Je ne sais pas, je ne connais pas de trop. Ça rend très bien. Ouais, j'adore. Et elle a fait comme les kiss. Elle a marqué son prénom ici. Lise. Elle est vraiment trop, trop belle, ta carte. Elle est magnifique. Alors, derrière, aussi bien décorée, j'adore. Franchement, merci beaucoup. Coucou Laurent, joyeux anniversaire. Passe une belle journée. Eva et moi, on profite pour te souhaiter une très belle année 2022. Bah, merci. Vous aussi, une très bonne année, surtout la santé. Et je vous souhaite le meilleur. Hein. On te fait plein de gros bisous. Bah, moi aussi, c'est vraiment gentil. C'est Lise de T'es pas scrap. La chaîne T'es pas scrap. Ben, ta carte est magnifique. Je te remercie beaucoup. J'adore. Jolie dentelle rouge avec un joli nœud rouge. Franchement, merci beaucoup. Un magnifique. Elle ne s'est pas arrêtée là. Elle m'a mis quelques découpes. Dans du papier, elle a fait une enveloppe vellum. Elle a fait un tamponnage de fleurs dessus, de l'éco-clicot. Hein. J'aime bien ton tamponnage, il est beau. On va découvrir ces petites découpes. Alors, on a Happy Birthday. Dans du papier pailleté. Une jolie découpe. Happy Birthday, ça brille. Très beau papier. Ah, j'adore, merci. On a le tamponnage des fleurs. Ah, pour moi, ce sont des coquelicots. Hein. Quand je vois les coquelicots, je pense à Matassou, hein, qui adore les coquelicots. Elle en a fait dans du vellum aussi, la découpe. Attendez, je place tout ça bien pour
vous montrer. Très, très, très beau. Magnifique. Voilà. Alors, on a d'enlever l'homme. Très jolie découpe. J'adore. J'adore le tampon. Tu dois avoir le die avec, je pense. Ouais. Sinon, tu as dû passer du temps pour les découper. Oh, j'adore. Là, on a des marguerites. Trop, trop beau. Pardon. D'autres. J'adore, j'adore, j'adore. Encore trois. Ouais, je pense à Matassou quand je vois ces coquelicots là. J'espère qu'elle va bien. Et encore des petites marguerites. Et une jolie brouette. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Je vous fais des gros bisous à toi, Lise, et puis Eva. Et à bientôt. Merci.